on va devoir quitter notre Bretagne natale. Non, moi je veux pas. Non. Si on reste près de la mer, ça vous va? Oui. À Cherbourg. Bon, c'est Pierre? C'est Pierre Villedieu. Ah oui, alors là on y va. Allez, c'est parti. Nous voici en Normandie, à Cherbourg. Une ville chère à Napoléon, comme en atteste la célèbre statue équestre de Napoléon, symbole de la cité. À Cherbourg, il n'y a pas que les parapluies, c'est aussi la cité de la mer, ses courses de voile sur la plus grande rade artificielle d'Europe. Sans oublier notre consultant Pierre Villedieu, prêt à casser des briques. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, puisque c'est une maison en chantier. Casque obligatoire pour visiter cette maison. Quand on arrive dans cette maison, on rentre par une entrée, complètement indépendante. Sur la gauche, on retrouve une petite pièce de vie, très lumineuse, avec une superbe cheminée. Une cheminée qui plaît beaucoup à Pierre, visiblement. Juste derrière, on a une future cuisine à aménager. Et dans le prolongement, il reste un énorme espace pour faire une pièce de vie avec une superbe baie vitrée sur le jardin. Typique du coin également, des jardins plutôt en longueur, avec un grand espace de pelouse et juste au fond, une dépendance pour ranger tout ce qui est tondeuse et pour les outils de jardin. Quand on arrive à l'étage, sur votre droite, vous pourrez retrouver l'emplacement réservé pour la future salle de bain et le chambre. L'isolation en général a été faite, la toiture elle a été refaite, elle est complètement neuve. Tout ce qui est fenêtre, c'est déjà changé. En termes d'électricité, le travail est déjà très bien avancé puisque tous les câbles sont passés. C'est une maison qui a énormément de charme. On a des parquets partout qui sont super sympas. Au final, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité et vous sentir bien chez vous. Pour cette maison en Cherbourg, d'une superficie de 86 mètres carrés, composée de 3 pièces, 2 chambres, avec son terrain de 379 mètres carrés, notre consultant Pierre Villedieu a négocié cette exclusivité au prix de 100. 87 975 euros.